Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Callisto Protocol. Bonne année 2023. On n'oublie pas, je vous l'avais promis lors d'un épisode de God of War pour ceux qui regardent uniquement Callisto Protocol dans cette période. Bonne année 2023, les meilleurs vœux, évidemment, et que tout se passe bien. On venait de remettre le courant, on avait une petite forge. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Bah écoutez, je vais vous le dire, oui, on en a vraiment besoin. On a quand même des petits trucs à vendre à gauche, à droite. On a beaucoup de capsules, on a beaucoup de trucs très, très, très intéressants. Et on a aussi quelques améliorations, mine de rien, voilà, à se faire. Donc là, ce que je vous propose, il y a une arme encore qu'on n'a pas découverte. Voilà, il faut le savoir. Et ce que je vous propose, c'est d'améliorer, pourquoi pas, la stabilité. Voilà, ça coûte 1200. Ah non, 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 ça serait histoire de dire, ça me plaît pas beaucoup. On va améliorer notre bâton. Voilà, parce que le bâton, ça me paraît être un petit peu la base. Active les émetteurs d'étourdissement passif afin que l'agent subisse moins de dégâts. Et brise le bras de l'assaillant s'il bloque. Et ça, ça me paraît pas mal. Allez, on va améliorer, évidemment, notre arme blanche. Notre sorte de machette, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. Non, pas une machette, mais un tonfa. Enfin, voilà, une arme, une matraque, je ne sais pas exactement. Ça a l'air contendant, mais pas trop. C'est très bizarre, d'ailleurs. C'est vrai qu'ils auraient pu mettre une lame. Ça aurait été beaucoup plus... beaucoup plus efficace, je pense. Je me demandais ce qu'il faisait ce bruit, mais c'est le crépitement des générateurs qui ont été remis. Là, ça va swinguer. Les gars, je m'y connais. Je m'y connais en swing. J'ai fait 4 ans de golf. Là, il va se passer des bails. Ok. Déjà, on peut ouvrir tout ça. Oh là là. Ouais, d'accord. Ouais, bon, il va se passer. Oh là là là. Il va se passer des bails énervés. Oh là 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 là. Mes aïeux. Mes aïeux. Qu'est-ce que c'est? Oh là 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 là. Des soins, des armes à gogo. Bon, je suppose qu'il y a une petite barrière, on va pouvoir les jeter à l'extérieur. Bon, écoutez, on ne peut de toute façon rien ramasser. J'ai presque envie de vous dire, pas d'alimentation. Pardon? C'est beaucoup mieux. Départ de plateforme de transit. Là, il va y avoir des bails énervés. Par contre, je vois pas d'où ils peuvent venir comme ça, non? Voilà, c'était... Oh la vache. Ok. Oh la vache. Ok. Non, j'esquive, j'en ai perdu un bras. Moi, ça fait chaud. Waouh, 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 waouh. Ok. J'ai mon pistolet qui rafale Flo Bazooka. Oh. Ça va être chaud de ouf. Mais alors, c'est large faisable. Ok. C'est large faisable. Mais va falloir la jouer très stratégique. A savoir que, mine de rien, le gameplay est relativement lourd. Donc voilà, je ne me trouve pas d'excuses. Mais enfin, ça reste tout de même un gameplay relativement lourd. Faut l'admettre. Donc... ça peut swinguer très fort. Ok, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Je sais ce qu'on va faire. Je sais réellement ce qu'on va faire. Là, ça va commencer à pop ici. Si tout va bien. Donc, on va jouer avec les montages en l'air. Ça dégage. Ok. Ok. Ok.
ça c'est le problème ça. J'ai oublié de revendre un truc. Ça c'est le problème énervé ça. Oh putain de merde. J'esquive, j'esquive. C'est bon, ça save. Oh, je suis désolé, j'ai eu besoin de full concentration. Non, mais c'est pas vrai. Attends, et je vais lâcher ça parce que ça rend fou, frère. Ça rend fou de ouf. Voilà. Attention, les opérateurs doivent porter un équipement de protection à tout. Allez, ça dégage. Ok. Ok. Ça a l'air pas mal là, hein. Oh là là. Ah! Ok. Non, j'esquive, frère! Il y a un bain. Je suis pas y a un bain. Payable. Okay.
Let's go. Chouuuu. Qu'est-ce qu'il y a, mon pote? Destination. La vache. Station d'Arcadis. Oh la vache. Oh, j'en ai salivé, les gars. J'en ai salivé tellement j'étais pas bien. Bon. Ah, y a cette caisse que j'ai jamais récupérée. Attends. Ok, ok, ok. Putain, ça demandait... premier vrai boss, en vrai, non? Ok. Ok, ça s'est rechargé. Ça. Y a plus de balles. Ça. On va recharger au calme. Ok, les amis. Une bonne chose de faite. Allez, on part en arrière. On est reparti. Une bonne chose de faite. Oh, c'était chaud. Par contre, là, je crois que j'ai vendu... j'ai ramassé un CPU. Ça a l'air incroyable. Ça a l'air exceptionnel, même. Ok. Attendez. On va regarder l'inventaire. Ah, ouais. Ah, ouais, l'inventaire qui s'est vidé de moitié. C'est terrible. C'est terrible. Ah, ça prouve que ça a bien tabasse, hein. Ok, ça on prend. Fou ! Bon ! J'espère que vous êtes satisfaits. Arden ! Qu'est-ce qu'il a, Arden ? Arden, where are you ? You here ? C'est là ! Si tu vois l'équipe d'intervention de l'UGC, surtout, par pitié, faites mes tours. Je suis sur la plateforme. Je retourne à Arcas. Ok, bah c'est trop tard. J'ai avancé. Et évidemment, tu t'es fait arracher la gueule par tout le monde. Tenu jusque-là, qu'est-ce qui se passe? Colonie! Danny, je suis là. Il faut pas faire ça, les gars. T'es où exactement? Une sorte de tunnel de service. Je suis de l'autre côté. Continue. C'est presque à la colonie. Localiser l'ancienne colonie. Non mais les gars, il faut pas faire ça. Ok, donc plus on s'enfonce, plus on va tomber sur des méchants pas beaux. Le boss était très embêtant. Si vous voyez ce que je veux dire. Et évidemment, les croix ne fonctionnaient pas. Vous vous en doutez bien. On prend. Alex Wong. Qu'est-ce qu'elle va dire, la bibiche? Ils nous ont dit qu'une nouvelle vie nous attendait. Ouais, c'est ça. C'est plutôt rien de neuf. Je veux dire, je fais des doubles journées, mais j'ai toujours pas reçu de promotion. Écoute, je suis désolé que ça prenne autant de temps, mais... Je déteste que tu sois bloqué sur X. Je te promets que tu seras bientôt là. Tu me manques. Ok, ils ont traduit que la moitié dans les sous-titres. Ils voulaient plus faire d'efforts à ce niveau-là. Ça, ça fait plaisir. Allez, on est parti, on va monter parce que j'ai localisé un petit coffre des familles. Et vous savez que les coffres, j'aime ça. Et vous avez vu, hein, ils évoluaient immédiatement après avoir atterri sur la plateforme. Donc évidemment, on pouvait pas les faire en soon-soon. Hein. C'était un giga-fight, obligatoire. Imprimante CPU, mais ça doit valoir tellement cher. C'est pour nous remercier une deuxième fois ou quoi, les gars? Allez, je prends. Bon, par contre, il faut trouver la forge. Je pense qu'on va pouvoir maxer... Oh, j'ai eu peur. Je pense qu'on va pouvoir maxer quelque chose sans aucun problème. Ça doit valoir très très cher, à mon avis. Peut-être 1000 balles d'un coup. Peut-être 2000 balles, ça serait insane. Est-ce qu'ils ont prévu pour que dans le jeu, tu puisses tout améliorer? Je ne sais pas. Quoi qu'il arrive, on n'a pas loupé énormément de choses, à mon humble avis. Ok. Très bien. Une petite forge, les gars, personne dit non. Je suis à la colonie. T'es où? Ah. Tu vois la tour d'éclairage? Retrouve-moi là-bas. La tour d'éclairage, compris. Trouver un moyen d'accéder à la tour d'éclairage. Bah là... Avec tout le... Si je puis me permettre, avec tout le fight qu'on a fait là, j'aimerais bien un petit moment d'accalmie. Ok. Ah, on a quelque chose. Il n'y a que ça des journaux. Darren! Darren Burr! Journal de mine. Where are you, Darren Burr? Il est là. Je leur ai dit que c'était une perte de temps, mais le JC n'a rien voulu savoir. Ok. Merci les gars. Ça valait vraiment le coup.
N'hésitez pas, à couper une conversation en 8 morceaux, histoire de faire toujours plus de collectibles sur la map. C'est très bizarre. Très bizarre. J'aime pas trop beaucoup ça. Ok. Ok. Yes, c'était évident. Bon, maintenant que je sais que je suis un putain de ninja, les gars. Super. Il y en a d'autres. Et c'est pas prêt de s'arrêter là. Ici, c'est verrouillé. Ça c'est gratuit. Ici c'est toujours autant verrouillé. On a un man là-haut. Malin. Malin que le lynx. Oh toi. Toi fallait pas ouvrir ta gueule. Oh, le son qui s'enclenche dès que tu fais une bonne élimination, t'as presque l'impression d'être puni, putain. Quelle angoisse. Il y a quelqu'un derrière moi. Frère, c'est trop. Là, la vie de ma mère, que t'es un abuseur. Faire attention quand même, comme eux-mêmes. On va retuer le mec tout là-haut. Voilà, on en a déjà tué 5, hein. Ça évite des failles de l'enfer. Hein. Plutôt pas trop dégueu. Hein. Si je puis me permettre, je suppose qu'on n'est pas au début du jeu, clairement. On n'est pas à la fin non plus, ou en tout cas, on est sûrement aux 2/3 ou aux 3/4. Bah les phases d'infiltration sont un peu simples en vrai. C'est dommage. Et pourtant c'est moi qui dis ça, des fois je galère, tu vois, mais là ils sont vraiment aveugles. En fait faut juste pas rentrer en contact avec eux. Et normalement c'est ok tiers, tu t'en sors sans trop de problèmes. Bon par contre, j'avoue que quand t'alertes tout le monde, c'est la zizanie. Je me refais de ouf là, non? Ouais. Ok. Je sais pas ce que je fais, hein. Je fais genre je maîtrise le jeu. Ok. On va aller checker le man là-haut. Je crois que je l'ai pas. Je vais pas éclater la gueule. Je lui avais totalement éclaté la gueule. Ok. On peut se lever un petit peu. Et on va se rebaisser. Ok. Je commence à avoir la gueule un peu pâteuse, tu connais. Tu coco. Ok. Et il n'y a plus rien. Let's go. Là, je sais plus si j'ai fouillé, les gars. Mais vous savez quoi? Jamais 203. Ok. Bien. On l'avait déjà fait, mais on sait jamais.
Attends, mais wesh! Ça le fout! C'était gratuit, ça. Bon, c'était gratuit, mais j'ai mérité, mais quand même! Le mec m'a pas entendu ici, mais un gars en haut m'a entendu, wesh. C'est bizarre. Les gars, alors, c'est quoi l'embrouille? Qui veut m'embrouille? Ok. Et là, I suppose. Évidemment. Évidemment, c'est évident. Oh là 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 là. On commence à aller des endroits où le fight est plus esquivable. Identification. Ah. Je devrais jeter un œil dans le coin. Danny, je peux pas accéder à l'ascenseur. Cette zone est verrouillée. Je suis pas entré par là. J'ai dû faire une descente dans une salle de sécurité pour trouver. Une salle de sécurité? Je vais en chercher une par ici. Ouais. Waouh. Il s'est passé des choses ici, frère. Hein. Je te le dis, hein. Non, mais mon ref. Quelle angoisse. Quelle angoisse, une salle de sécu, frère. Midtown. Ici, c'est verrouillé. Là-dedans. Bizarre. J'avais vu une échelle. Ok. Ça doit être là-haut, je suppose. Une salle de sécurité. Bien. Il venait donc d'en haut. Il restait donc des personnes là-dedans. On va attendre de check ailleurs. Vache. Très bien. Ok. Ça, je prends. Gavin Bear. Ok. J'ai l'impression qu'on s'est bien refait. Et même très rapidement. J'avais jamais rien vu de tel. C'est venu d'en bas sous la glace. Ah, c'est un truc qui s'est réveillé. Ok, donc c'est peut-être pas. Je sais pas, c'est bizarre. On a dû réveiller des aliens, cryogénisés. Qu'ils ont besoin d'un hôte. Humains pour se développer et devenir des monstres. Ah bah dites donc. Ça m'est pas serein, ça, hein. Ok. J'essaye de la jouer gars cool, mais... Attends, il n'y avait rien dans la porte, on est d'accord. Security. Tiens. Je suppose qu'il faut faire tout le tour.
éclatage de gueule, rien à péter. Hein. J'ai plus peur maintenant, je m'attends à tout avec vous. Hein. Ok. Il y a encore ça là. On ira le ramasser tout à l'heure. Ok. Quoi ? Il est malade ou quoi lui ? Ok, on essaye de rester calme tous ensemble, s'il vous plaît. Hein, pour le bien de tous. Pour la continuité des choses et de cette aventure. Qu'est-ce que c'est? Ok. 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 Bon, super bon. On va garder ça. Et on va prendre le Riot Gun. Ok, il y a un bas ici. Ah. Ah. On n'a pas le choix, hein. Je l'ai. On va retourner à l'ascenseur. C'est horrible le bruit et l'énervement de tout le monde, tiens, son bras. Allez hop. Ouah frère. C'est évident. C'est évident. Ok, j'ai beaucoup trop de trucs à vendre. C'est embêtant. Ouah, c'est embêtant, j'ai beaucoup trop de trucs à vendre. Attendez. Attendez, attendez, attendez. En vrai de vrai, ça je peux peut-être le lâcher. Voilà, parce que je préfère tout de même 6 munitions que 6 grosses cartouches. Ok, ça c'est pas mal. Et comme ça, on peut re-ramasser les Riot Guns. Non mais c'est trop frais. Thank you.
C'est trop. C'est juste pour me faire utiliser... Bien joué, j'ai R à dire. Les amis, on va s'arrêter là. Et on se retrouve très vite pour la suite de notre aventure. Avec l'épisode suivant. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. A bientôt tout le monde. Bye bye.